Les choses humaines racontent une histoire à la fois simple et tragique. C'est d'abord l'histoire d'un couple de pouvoir, Claire et Jean Farel, un couple d'influence, comme on dit. Jean a 70 ans, c'est un très grand journaliste politique, il anime une matinale à la radio et une très grande émission politique à la télévision. C'est quelqu'un qui est obsédé par la peur de vieillir, qui a envie de rester à l'antenne coûte que coûte. Il vient d'un milieu très simple, sa mère était une prostituée toxicomane, donc c'est vraiment quelqu'un qui s'est construit par la seule force de son travail. C'est un autodidacte et il a donc très envie de conserver tout ce qu'il a acquis. Il est marié à une femme qui est plus jeune que lui, qui a une quarantaine d'années, qui s'appelle Claire. Et Claire est une essayiste et reconnue pour ses engagements féministes. Une femme assez discrète, mais qui forme avec son mari quand même un couple dans la lumière. Et ensemble, ils ont un fils qui s'appelle Alexandre, qui a 21 ans. Alexandre est un brillant étudiant qui poursuit ses études d'ingénieur à l'université de Stanford en Californie. Donc en apparence, une famille un peu parfaite, comme on dirait, mais en réalité, tout est faux. Cette façade est une totale imposture puisque Jean, lui, a une double vie depuis plus de 20 ans avec une journaliste de son âge, Françoise Merle. Et Claire, elle, mène depuis plus d'un an une relation avec un jeune professeur de français dans une école juive qui s'appelle Adam Wiesmann, qui est marié et qui a deux filles. Quand le livre s'ouvre, Claire et Adam vivent ensemble dans un appartement dans le 13e avec la fille aînée d'Adam qui s'appelle Mila et qui a 18 ans. Claire et Jean vont donner une dernière fois l'illusion d'un bonheur parfait lors d'une cérémonie donnée à l'Élysée par le président de la République en l'honneur de Jean. Et le soir même, Alexandre se rend chez sa mère et son compagnon. Et là, Mila, la jeune fille d'Adam, est présente. C'est une jeune fille assez singulière. D'abord, elle vient d'un milieu juif un peu religieux. Et surtout, elle a été témoin des attentats perpétrés par Mohamed Merah en 2012 dans l'école juive, dans une école juive. Et donc, c'est une jeune fille très vulnérable, très fragilisée, très traumatisée même par ce qu'elle a vécu, qui rencontre ce jeune Alexandre qui lui est un garçon en apparence assez sûr de lui. Et ce soir-là, Claire incite Mila à accompagner son fils à une soirée d'étudiants. Finalement, elle accepte, alors qu'au départ, elle n'avait pas peut-être envie, puisqu'ils viennent vraiment d'univers radicalement opposés. Donc c'est une famille qu'on appelle recomposée, mais avec des personnages qui sont vraiment très différents. Mila accompagne Alexandre. Le lendemain, tout s'effondre, c'est le drame. Mila accuse Alexandre de l'avoir violée dans un local à poubelle. À partir de là, pour tous les protagonistes, c'est la descente aux enfers. À l'origine des choses humaines, il y a un fait divers, ce qu'on a appelé l'affaire de Stanford aux États-Unis. En 2015, une jeune femme avait accusé un étudiant de Stanford de l'avoir agressé sexuellement derrière une benne à ordures au cours d'une soirée d'étudiants. Et en 2016 a eu lieu le procès aux États-Unis et ce jeune homme n'avait été condamné qu'à une peine de 6 mois. Dont 6 mois de prison, dont 3 mois ferme. Et ce verdict, très clément pour l'agresseur, avait suscité un véritable tollé aux États-Unis. Les femmes considéraient que ce verdict était inique, que la victime était brisée, qu'elle n'était pas entendue, que sa peine n'était pas prise en compte. Et ça m'avait beaucoup marquée et j'ai commencé donc à travailler sur ce sujet. À partir de là, j'ai décidé de choisir un angle d'approche singulier, c'est-à-dire de raconter cette histoire du point de vue de l'agresseur et de sa famille. Je trouvais beaucoup de témoignages de victimes, j'avais rencontré d'ailleurs des victimes, mais vous n'avez pas de témoignages d'agresseurs. Les hommes qui ont agressé ne parlent pas. Donc j'ai choisi ce point de vue-là
Et pour avoir accès à cette parole de l'agresseur, du violeur, il fallait donc aller au palais de justice, là où l'accusé va voir se dérouler son procès. Donc j'ai travaillé sur une matière, je crois, originale, pour que la forme littéraire ait aussi sa singularité. Donc j'ai assisté pendant 2 ans à des procès pour viol aux Assises de Paris. J'ai eu accès à certains documents, des PV d'audition, des PV de police notamment. Et donc cette histoire est racontée finalement de l'intérieur. On traverse toute cette mécanique judiciaire du dépôt de plainte jusqu'au procès. Et j'avais envie de raconter voilà, cette histoire de cette façon-là. Tout à coup, en 2016, irruption du réel dans le roman, puisqu'il y a eu l'affaire Weinstein et la révolution MeToo. Donc j'ai eu envie d'intégrer aussi ces éléments-là dans le roman, parce qu'il me semblait qu'on traversait un moment très important pour les femmes, mais aussi pour les hommes, puisque la parole se libérait et un dialogue était peut-être enfin possible sur ces sujets-là. Donc j'ai intégré ces éléments dans le roman. Donc les choses humaines, c'est aussi une réflexion sur la condition de la femme aujourd'hui. La femme à 18 ans comme Mila, la femme de 40 ans comme Claire et la femme un peu plus âgée, notamment à travers le personnage de Françoise Merle qui est la compagne cachée de Jean. C'est aussi, je crois, une réflexion sur la violence de la société, violence, brutalité d'une société qui valorise la performance, mais aussi violence des réseaux sociaux, où chacun se met en scène, où c'est une exhibition permanente. Et ce qui m'intéressait à travers ce livre, c'était d'aller derrière les apparences, de montrer la fragilité des êtres, et peut-être aussi de montrer que finalement, cette incursion dans le territoire de la violence permet de comprendre que chacun, à tout moment dans sa vie, peut basculer du mauvais côté.